Baisse et t'as la cassette normale VHS. Oui, et après t'as la cassette bêta, alors ça c'est un autre type de magnétoscope. Oui, mais je veux dire, c'est une histoire, tu n'es pas obligé chaque fois de prendre une nouvelle cassette. Tu peux effacer comme on fait dans le... Non mais t'as pas. Oui, oui. Ah oui, c'est impeccable ça. Mais... Et ça, le magnétoscope comme ça, au Canada, ça se vend cher ou bien ça se vend plus cher? $900, je pense. Ça peut s'en faire combien? 3,4, 3,6. Ouais. Mais c'est pas trop cher, ça? Non, c'est pas trop cher. Parce que je ne sais pas ici, moi, je me souviens quand j'ai regardé les pièces, c'était pratiquement le bon moment. Oui, là ça a diminué beaucoup. Hein. Ça a diminué beaucoup. Ça fait quelques années que c'est sorti, alors maintenant. Oui. Oui, parce que je me souviens que, regardez, le prix c'était de 10 000 francs, et histoire comme ça. Ah, oui. Non, c'est quand même des choses. C'est quand même des choses maintenant, hein, formidables. Ah oui. La qualité d'image est super. Oui, en plus c'est en couleur, chez nous ça va être en couleur. Magnifique. Et alors Loïc, bah, je sais pas quelle heure il rentre. Vers 7h. Oui. S'il va à la gym, vers 7h. Il va à la gym? Des fois, oui, mais pas tous les jours. On est quand? On est vendredi? Vendredi. La gym, avant? À l'Univille. Ah, à l'Univille. Et puis, ils ont emménagé tous les appartements, là, au-dessus de chez la grand-mère. Vous avez jamais vu, là-haut? Non. Ils ont aménagé, ils ont refait, repeint avec des dessins sur les murs, puis de la belle moquette par terre, des lumières rouges et bleues. Ils ont aménagé tout ça. C'est pour louer ça, le robot. Non, non, c'est juste pour louer. Ils pourraient habiter là-haut, s'il voulait. Mais il ne faut pas chauffer. Mais pour le moment, il habite toujours avec eux, là-bas. Ah, oui. On va pas tomber. Non. Je cherche ta bière en luxe qu'elle est. Parce que j'ai pas vu la Stéphanie Masson, la fille du paysagiste là. Oui. Et je voulais la voir, et on est supposé aller à Saint-Dié ce soir. Mais il faut que je l'appelle pour lui dire à quelle heure. Et puis. Et Loïc, j'ai acheté un mode sur leur répondeur automatique l'autre jour. Et puis il m'a pas rappelé. Alors, je sais pas à quelle heure on va partir. Je ne pas travailler. Quoi? Ah oui? Mais je pourrais toujours la voir lundi ou mardi. C'est pas trop grave si je la vois pas aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans que j'ai pas revu là. Mais c'est un peu. C'est pas quand tu es venu qu'on est allé pour voir là où il y avait les chevaux là. Ah, mais non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est qui là? Manu. C'est qui? Manu. Ah, c'est Manu, d'accord. Non, il connaissait une jeune fille là où il avait. C'était un petit passé. Il voulait faire du sale? Quoi? Ah non, non, parce qu'il a commencé. Quand il est venu ici, il disait qu'on allait lui dire bonjour. C'est encore vous, ça?
Seulement, mais hein, ou quelque chose comme ça. Et quel âge il a, lui? Quel âge il a, lui? C'est là? Oh, il a fait bien au moins 16 ans, hein. Oh, c'est arrivé pour ça. C'est un petit grandi, hein, aussi. Ouais, mais ça revient après, ça. La peau, c'est des cellules, ça. Ce qui m'avait surpris, là, c'est la madame Rhin, là, qui avait tant maigri. Bon, maintenant, elle a un peu... Elle est mieux. Ouais. Ouais. Elle est plus si maigre, mais elle est plus si grosse non plus. Non. Plus... Mais l'année dernière, là... J'ai fait la voir, tu as vu bonjour. Ouais. Moi, je suis passé... On a vu tout à l'heure, quoi. Ouais. La bourrée, t'as vu la bourrée? J'ai vu... J'ai aperçu Céline dans la voiture. Elle était avec son petit copain, hein. Je sais pas comment il s'appelle. Et puis j'ai vu comment ça s'appelle, Marie-Laure. J'allais chercher Loïc un jour, que Loïc venait me chercher à pied. Mm. Et devant l'estaminet, elle retournait au travail. Elle avait bu un petit café, j'imagine. Puis elle est repartie sur la Cara. Ah ouais. Alors je lui ai dit bonjour, on a un peu discuté. Puis... Non. Ben peut-être. Il m'a dit qu'il voulait aller au cinéma, mais moi je veux pas aller au cinéma. Tu t'assis, tu regardes un film, tu parles pas. Bon, au cinéma c'est là qu'on ne sait pas quoi faire, mais là on faut parler, il faut qu'on discute. J'aimerais bien voir la fille maçon, mais... Si on je veux descendre à Saint-Dié. Je veux Saint-Dié. Elle habite à Tintru, alors il va falloir que sa mère l'amène à Saint-Dié. C'est déjà pas évident, parce que si les parents sont sortis, on a c'est coincé. Avec qui la connaît pas, bon bah, je vais pas dire avec, bon, bah, viens, on va voir la copine là. Mm. Surtout que c'est le dernier soir que je vois Loïc. Tu as téléphoné? Oui, j'ai appelé la semaine dernière. Le week-end dernier, elle était chez elle. Puis... je lui ai donné le numéro de téléphone à Nancy. Elle va à l'école à Nancy, elle fait un BA. Ah ben, t'as pas voulu la voir à Nancy? Ben non, parce qu'elle finit les cours à 8h du soir. Et puis elle prendra. Et puis non, elle reste à Nancy, mais c'est trop tard pour sortir. Et puis elle a de l'école à 8h comme le lendemain. Mais, ouais. Mais si je la vois pas ce soir, faut que je la vois lundi soir. Lundi soir, faut au moins que je lui dise bonjour quand on se voit. Maman avait pris des photos quand l'année dernière, c'est ça, je pensais. Je sais pas qu'elle a changé ses cheveux, je sais même pas si je vais la reconnaître. Je devais venir avec elle en train. Ouais. On devait prendre le même train. Puisque moi je serais descendu au Baccarat ou à Rennes, puis elle a continué sur sa route. Mais alors, on se arrive, on se retrouve à l'hiver, c'est la première partie. Oui, c'était bien.